Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce sera un tour rapide sur Gimmick. Donc, si vous l'avez pas, je mettrai dans la description le lien et le lien vers la vidéo pour l'installation. Donc, aujourd'hui, on va juste un peu s'amuser avec les différents filtres qui concernent Away. Donc, on a ici 5. On finira avec Mirrored. Donc Away Fade, donc là en fait c'est juste les bordures de la photo ci-dessous qui sont répétées. Donc si on met à fond, les contours seront réguliers. Si on descend un peu, on a les contours qui sont estompés. Voilà, il n'y a rien de nouveau, donc c'est les paramètres qu'on touche. Ensuite Random, c'est la photo qui est découpée en petits morceaux et qui est mélangée. Random color, donc les couleurs en aléatoire sur l'image. Ensuite Away regular, il n'y a rien de particulier, hein. C'est la photo qui est répétée. Et pour finir Mirrored, donc là même chose avec une petite différence, c'est comme s'il y avait un miroir en fait entre les deux. Donc X, Y, donc si on met par exemple comme ça et que s'amuse à utiliser crop, on peut obtenir une autre image. On va terminer sur celui-là, donc on va mettre paramètre Away Mode X, axe en X, et en fait on va créer une nouvelle tête. Ouais, voilà. Alors nouveau calque, donc il y aura un nouveau calque qui va être créé en sortie. Je fais OK. Après je vais estomper un peu le... Non, je suis pas sur le bon calque. Donc j'ai mis opacité en 42, juste histoire de créer un... Voilà. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce tour rapide des filtres Away. Si vous avez aimé, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de contenu de ce genre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.